Ok. F for Glowstick. Ah putain. Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo horreur. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas faite. J'ai pas forcément envie d'en faire non plus. Mais bon, du coup on se trouve sur Vanisher. C'est un jeu qui est un petit peu ancien, on va dire, plus ou moins. Et donc simplement c'est un jeu d'horreur qui se passe dans les égouts. Et donc une sorte de créature. On va devoir essayer de s'échapper des égouts sans se faire attraper. Alors écoutez, on va y aller. Je vais jouer pas trop longtemps non plus, faut pas trop déconner. Hein. Je vais jouer pas plus d'un quart d'heure. Donc écoutez... allons-y. Donc là voilà, donc là on est traîné dans les égouts. C'est vraiment sympathique, on apprécie ce genre de mise en scène. Ok, bon, nous voici donc dans le vif du sujet, parce que bon, maintenant l'intro on s'en met un peu les couilles. Alors WASD, et merde, ça joue dans WASD, j'ai oublié de changer les touches, putain. Bon, je ne peux pas changer les touches, c'est vraiment génial, donc CTRL to crouch. Alors ce qui est bien, c'est que je vais... c'est vraiment extrêmement pratique. Putain, je vais me niquer les mains. Bon, c'est le challenge aussi, hein, de faire le jeu en... le jeu en WASD. En clair, voilà, il y a une créature, et si jamais... en fait, faut jamais... enfin, il faut essayer de l'avoir le moins possible. J'aime pas du tout, déjà. Voilà, le but, c'est donc de trouver la sortie. Alors, il y a des espèces de petites notes. Alors. Damn it, Hank. Little piece down here. Something smells. Non, bon, je vais vous traduire. Putain, Hank, est-ce que t'as pissé ici? Quelque chose qui sent pas bon. Dis-moi si, si tu nous as rapporté ou pas des lampes torches. Il y a des putains de glow stick qui doivent pas être loin non plus. C'était encore une fois une traduction approximative, hein, bien sûr. Hop là 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 là. On va aller tout droit. Alors je sais que les gens disent normalement on va toujours à droite, mais moi j'ai envie d'aller tout droit. Donc des fois l'appareil derrière nous. Donc en fait s'il y a un cul-de-sac et l'appareil derrière nous, donc faut surtout pas, enfin on peut la regarder, mais faut surtout pas s'approcher d'elle, faut rester le plus loin possible d'elle. Plus vous restez loin et moins il y a de chances qu'elle vous chope. Bon, c'est le genre de jeu où en général il faut s'habituer. Au début, vous êtes pas bien, hein, donc là actuellement je suis pas bien, mais enfin, en réalité ça va. J'ai joué des trucs un peu plus stressants, du genre Eyes et tout. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que là il y a pas de bruit d'ambiance, donc ça que je suis pas mal. En général, quand il y a des petits bruits d'ambiance, des petites musiques de fond, là je vous cache pas que je suis pas bien. J'aime pas du tout les. Donc ça labyrinthe qui fait que ça s'actualise à l'infini, hein, donc il y a pas de carte précise. Alors là normalement il est derrière nous. Apparemment non. Bon, je vais essayer de faire deux jeux d'horreur, bien sûr, parce que c'est vraiment le type de jeu que j'aime beaucoup. Je vais essayer de relever un peu le niveau dessus, hein, c'est-à-dire que je vais faire notamment Resident Evil 7, donc ça ne sera pas arrivé tout de suite, mais je vais essayer de faire la démo de Resident Evil 7. Alors je sais pas si le jeu s'actualise vraiment, enfin si la carte s'actualise vraiment au fur et à mesure qu'on avance, mais en tout cas, je sais qu'il y a une histoire de labyrinthe, enfin c'est jamais la même carte en tout cas, c'est l'aléatoire. Oh là 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 là. Alors... ah non. 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 Oh putain. Vite, 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 vite. Faut pas se retourner, faut jamais se retourner de toute façon. Ah là là là. Alors je sais que je crie un peu bizarrement sur mes vidéos. Ah, sur mes vidéos d'horreur. Et c'est pas que... on peut croire en fait que je fais semblant de crier. Mais non, c'est vraiment que je... c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être à la fois en commentaire et à la fois en train de jouer, bah ça me fait faire des espèces de petits cris un peu chelou. Bon, déjà j'en suis sorti. Alors je vous cache pas qu'avec le WSD, savoir ce qu'on est en train de faire, c'est compliqué. Ah, donc j'ai la première salle. Donc normalement là il y a les glow sticks. Enfin je les ai vus. Donc il y aura aussi le monstre. Si je me rappelle bien, il y a le monstre aussi qui pop. Hop. Ok. F for glow stick. Ah putain. Aïe 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 aïe. Oh putain. Bon, on va retry, c'est pas grave. Oh les enculés, putain. Eh, je vais pas jouer longtemps. Eh, je sais, encore une fois, j'arrête après. Hein. Eh, je pensais pas que... mais je pense... il pouvait pas être là normalement, c'est pas possible. La technique sur ce jeu... j'avais essayé quand j'avais joué un jour à... Resident Evil 4. La technique sur ce genre de jeu, c'est de mettre une musique sympathique en fond. Ah! Putain, enculé. Et ça fait un peu moins peur. Putain, je suis pas prêt du tout pour jouer à Resident Evil 7, ça moi je vous le dis. Hein. Je suis pas prêt du tout. Donc si je le vois normalement, faut juste que je recule. Et... que je l'en... non, très mauvaise idée. Follow the pipes. Ouais, bah, c'est marrant, mais il y a des pipes partout, donc tu fais un peu chier quand même. Ouais. Et merde. Ok. Donc là, je m'arrête pas. Non, crouch. Ah, crouch. Je vais te croucher. Là, je suis bien.
Là, je m'arrête là. Là, je m'arrête là. Oh putain de ta race. Mais là, il va encore être là. À l'aide. Ils sont là. Vite. Les glow sticks. Hop. Allez. Ah! Non! Je sais qu'il est derrière moi, je sais. Non! Non! Bonsoir. Vous êtes vraiment extrêmement beau. Donc là, normalement, il nous voit pas. Là, normalement, en fait, il est aveugle, donc il entend que. Enfin, c'est que à Louis, en fait, qui vient. Ah! Ah non! Non, 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 non. Non, bah non, non, parce que moi, j'apprécie pas le fait que tu sois moche comme ça. Donc, si tu pouvais par hasard. Ah! Ah non! Putain, je suis trompé de touche! Ah! Je sais pas, je comprends pas. Mais c'est de la merde, ça. Regarde ça. C'est quoi? C'est pas, de la... c'est pas des touches, ça. Water Pumps. C'est un truc de merde, ça. Je suis sûr que ça marche pas du tout. Oh merde! J'ai pas les keys. Merde. Putain, j'ai trouvé la fin, mais j'ai pas les clés. En fait, il faut trouver une autre salle qui ressemble à un générateur. Et prendre des clés. Pop, 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 pop. Je sais pas où il est. C'est pas possible de finir ce putain de jeu. Ah! Je l'ai vu. Je l'ai vu, vous l'avez vu comme moi. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Des fois, vous pouvez pas très bien parce que la luminosité de YouTube fait qu'on ne voit pas très bien. Mais il était là. Il était bien. Il était en train de faire un petit bisou au mur. Oh. Crouch. Alors, normalement, ici, il peut pas nous choper. Normalement, d'après toutes les vidéos que j'ai vues, il peut pas nous choper ici. Donc, le but, c'est de contourner et de passer par là. Donc, là, si on commence à voir apparaître des trucs comme ça, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que. On va peut-être s'approcher un peu de la zone des clés. Putain, j'ai tellement peur qu'il débarque là. Non, normalement c'est bon. Hein. Ok. Oh. Je crois que c'était pas du tout une bonne idée de passer par là. Follow the pipes, c'est ta mère. Je vais lui mettre une pipes là. Ah là 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 là. Non. Non. Oh. Ah non, 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 ne viens pas. J'attends, je m'en bats les couilles, j'attends. Non, 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 non. Non, 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 c'est trop fort dans mes oreilles. Ah non, 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 c'est trop fort dans mes oreilles. Non. Oh. What? Oui. D'accord, en fait, je viens de me réveiller parce que je crois que je me suis fait assommer. Alors, soit c'est à cause de. En fait, je crois que quand on devient. On reste trop dans le truc, on devient fou et on se fait assommer. D'accord. Vous savez, là, ça commence à être un peu pesant au niveau des oreilles, je vais pas vous le cacher. Ah non, 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 putain. Mais il y a eu un tresseau, je l'ai pas vu, putain. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'arrive même plus à parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. À me dire si vous aimez ce genre de vidéo un peu plus sur des jeux uniques comme ça. A très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. Voilà, c'était vraiment une outro extrêmement nulle. Allez, salut tout le monde.